précédemment dans l'épisode précédent. Fais gaffe! Remonte mon t-shirt, s'il te plaît. Déjà, c'est mon t-shirt, comme toi. Mais c'est quoi ce délire? Maman! Oui? Quoi? Wesh, redémarre là. Stéphanie? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je deviens fou. La gifle de papa m'a amené ici. Donc, pour que je puisse revenir en arrière, il faut faire le chemin inverse. Il me faut une grosse gifle. Alors? Non, je suis toujours. Oh! Enfin! Wesh, il t'arrive quoi, gros? Papa? Il est réveillé. Stéphanie? Excusez-moi, ce n'est pas mère qui est la star, c'est moi. Mais quoi? Oui, c'est vrai, il a raison. Il faut que tu fasses un retourné. Steven! Quoi? Yes! Enfin de retour! Je me casse, je rentre chez moi! J'ai un petit voir, c'est un muscle de l'épaule! Il faut que tu me frappes! J'ai pas bougé le bras pendant 3 semaines! Quoi? Non, ça doit pas se passer comme ça, mais comment tu t'es blessé? Ça ne te regarde pas! Non, mais je. Tu poses trop de questions, va dans ta chambre! Mais! Va dans ta chambre! Mais non! 3 semaines! Tu veux que je m'en occupe? T'en fais pas! Je m'en occupe! Ouais, ouais! J'étais en 1 contre 1! Pendant 3 semaines, moi je peux pas tenir, j'ai tout fait! Pourquoi ça fonctionne pas, sérieux? Oh, c'est pas vrai! Je peux pas rester ici! J'ai un jeu à finir en plus! Plus vite, il manque! Non, j'abuse quand même. T'arrives quoi? J'ai l'impression que personne ne me croit en fait. Genre, on dirait que je suis fou. Pas moi. Quoi? Bah oui, je te crois. Mais j'ai cru que tu me prenais pour un fou. C'est toujours le cas. Ah. Mais je sais que tu mens pas grâce à ton frère. Quel frère? Salut Steven. Olivier? Oh, mais c'est super ça! Mais attends, mais comment vous vous êtes rencontrés? Eh ben. Pff, c'est relou, ça prend du temps aussi. Excuse-moi, t'aurais pas vu Steven? C'est qui lui? Ah, c'était donc vrai! C'est comme ça que j'ai vu que tu venais pas d'ici et que ton histoire est réelle. Ok, mais comment t'es venu ici? Et je me suis retrouvé ici. Mais justement, on est où là? Alors, je vais tout t'expliquer. Ça a commencé à un moment. Oh, non, c'est bon, on a compris l'histoire à un moment. Mais comment tu me parles, wesh? C'est toi qui t'arrives quoi de raconter l'histoire à chaque fois? Eh, je fais ce que je veux! Déjà, base dans le ton, je suis narrateur. Si je veux, je suis contre ton personnage. Eh, toi, t'as un fou, toi. Eh, vas-y, eh, ose le faire, tu verras. Il parle à qui là? Je sais pas. Bref, faut qu'on trouve une solution. Ouais, c'est... Oui! Oui, j'ai. Ah, mais non, c'est toi, du coup. C'est moi qu'on appelle ici. Donc, ouais. J'en viens. Ah, c'est marrant, de Steven. Bon, pour qu'on rentre à la maison, il faut que papa me donne une claque. Mais le problème, c'est qu'il est blessé. Ah, c'est ça! Il suffit l'énerver, comme ça, il va oublier la douleur. Oui, voilà, oui. T'inquiète, je gère. Mais personne te connaît ici, mais tu fais quoi? Eh, papa, t'es claqué, hein! Oh, mais c'est qui, lui? Oh mon dieu! Non, c'est moi, Olivier! Il a disparu! Wesh, il a disparu! C'est où? Oh, la vie de ma mère, c'est chez ta frère. Oh là là! Ton frère a disparu après la claque de... Papa? Non, maman. Quoi? Mais il est où? Y'a quelqu'un? Oh là là, il est con. Ah, c'est ton frère, pas le mien. Hein. Ouais, bref, faut qu'on trouve une solution pour l'énerver. L'énerver, mais le truc c'est que à chaque fois c'est eux qui gagnent. Donc c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Mais oui, c'est ça! De quoi? Dans mon monde, il y a une grosse tension entre mon père et moi. Donc du coup, ici, il y a aussi une tension entre toi et ton père. Ah, j'avoue, il est relou avec ses ceintures là, en mode... Donc, tu prends la claque. Quoi? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais, t'es sûr que ça a marché? Mais oui, t'inquiète. Fais exactement ce que je t'ai dit, ok? Ok. Papa est assis. Quand il se lève, tu le bouscules et tu lui dis « Fais gaffe !» Ok. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur ce. Bonne vidéo. Le papa est debout, je répète, le papa est debout, allez, go, go, go. Ok. Fais gaffe. T'as dit quoi? Ça fonctionne. J'ai dit fais gaffe. Tu vas faire quoi? Ah, j'ai le t-shirt, c'est bon. Wesh? Wesh? T'es Stéphanie? Bah non, je suis Nabila. Pff, t'es con, wesh. Ah.
T'as ma thune? Oh, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ah, quelle belle journée. Salut Dylan. Bonjour maman, la star. Merci Dylan. Ça me touche tellement ce que tu viens de dire. Oh là là, ça touche. La star est là. Bref, il est où papa? Il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'excuser pour mon comportement de la dernière fois. T'arrives quoi, wesh? Depuis quand tu t'excuses? Oh là! J'ai mûri et j'ai appris ces derniers jours que la famille, il n'y a rien de plus important. Bon, ok. Mais il est où, Olivier? Oh, je sais pas. Bref, je vais jouer. Mais tu fais quoi ici? Comment t'as fait? J'en sais rien, mais en tout cas, je sais que Olivier et Steven, dans la vie réelle, quand ils ont écrit la vidéo, ils se sont dit, mais comment Olivier va revenir, tu vois? Ils m'ont demandé, j'ai dit, bah, je viens à la fin. Ok, bon bah ça me va alors. Ça me va aussi. C'est quoi cette musique? Excusez-moi, je t'excuse, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là? Mais, hé, hey, mais vous faites quoi ici? Ah bah oui, j'ai voulu la lumière ici, je suis venu. Plus tard, frère. Hey, j'adore le son, comment vous faites? T'as vu ça, la musique est belle, frère, écoute. Qu'est-ce qu'il fait ici? Vous étiez parti et il fallait rentabiliser la chambre. Donc, il habite désormais avec nous, c'est rentable. Mais pourquoi? C'est comme ça.